mon réseau a démarré en 2009 avec un simple ovale, mais j'ai rapidement rajouté une voie unique qui permet de serpenter et d'atteindre au sommet le Mont Ventoux. Plus récemment, j'ai rajouté une gare cachée que j'ai appelée dépôt, qui me permet de stocker les wagons pendant que les trains ou de les trains pendant qu'ils ne roulent pas. L'ensemble du réseau est tout d'abord alimenté et piloté par une centrale Massotte avec son navigateur, mais également avec un ordinateur sur lequel fonctionne le train de contrôleur version 8. Cet été, j'ai introduit une première boucle de retournement Massotte autour de la gare de Cassis et une seconde au niveau de la gare du Mont Ventoux qui permet au train de monter et descendre de façon relativement simple. En outre, pour finaliser mes premiers pas avec train contrôleur, un premier tableau de commande a été réalisé pour gérer les aiguillages et les cantons de détection sur la gare de Marseille. Thank you.
la prochaine étape d'ici la fin de l'année et surtout pour 2016? La première chose est de remplacer ou plus exactement de retourner la boucle de retournement de Cassie qui offre des challenges à la fois au niveau de l'esthétique mais surtout au niveau de train de contrôleur où la création de trajets successifs demande un petit peu de maintenance. Au niveau du TCO Sud, remplacer la version actuelle par un modèle plus compact et plus simple. Et surtout sur la partie Est et Ouest, rajouter deux TCO de manière à avoir l'ensemble du réseau, non pas sans le contrôle de Massotte, mais également pouvoir le diriger à l'aide de train de contrôleur. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.